our course today. Salut, ça va? How to say hi and how are you? OK? On y va. La première, Cédra, est-ce que tu peux lire? Bonjour, comment ça va? Lara? Salut. Oui, ça va. Tout va bien. Très bien. Rokaya? Oui, ça va. Très bien. Très bien. Très, très bien, Rokaya. Alors, ici, on voit deux façons de dire bonjour. There is two words to say hello. Cédra, est-ce que tu peux me dire le premier? Can you tell me the first? Bonjour. Comment ça va? Bonjour, non. Alors, pour dire bonjour, to say hello, the first word we saw here, c'est bonjour. D'accord? Bonjour. Lara, tu peux me dire la deuxième façon de dire bonjour? Salut. Salut, très bien. Alors, on peut dire bonjour de deux façons. We can say hello with two words. We can say bonjour and we can say salut. OK? Bonjour et salut. Ici, on voit également deux façons de dire comment ça va. There is also two sentences to say how are you. Can you tell me, Cédra, which one is the first? To say how are you? Comment ça va? Très bien. Rokaya, est-ce que tu peux me dire la deuxième? The second sentence? To say how are you? Salut. Non, salut, c'est bonjour. Salut, et hi. Here, there is another sentence to say, how are you? Which one is it? Tu vas bien. Alors, on voit deux façons, two sentences, deux phrases, to say, how are you? Pour dire comment ça va. Comment ça va? Et tu vas bien. D'accord? Il y a également... There is another thing. There is also, yes, I'm fine. Il y a deux façons. There is two sentences to say, yes, I'm fine. Cédra, which one is the first? Quelle est la première? La première phrase. To say, yes, I'm fine. Oui, ça. Oui, ça va. Très bien. La première, oui, ça va. Lara, la deuxième. Ça va bien, merci. On peut dire ça aussi. Rokaya, ici, quelle est la troisième? Oui, ça va. Très bien. Très, très bien, Rokaya. Alors, il y a deux façons de dire bonjour. Bonjour, salut, d'accord? On peut dire comment ça va ou tu vas bien. Comment ça va, tu vas bien. Et on peut dire oui, ça va très bien. So we can say bonjour and salut to say hello. We can say oui, ça va and oui, ça va très bien. To say, yes, I'm fine. And we can say, comment ça va? Et tu vas bien? To say, how are you? D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Did you understand? Oui. Oui. Très bien. Oui, très bien. Oui. Très bien. Alors, la dame ici, Cédra, est-ce que tu peux lire? Bonjour.
Très bien. Lara? Bonjour. Comment allez-vous, madame? Très bien. Rokaya? Oui, ça va, merci. Très, très bien. Alors, ici, c'est la forme de la politesse. Here, we are talking with someone older, a teacher, someone at work. We need to be polite. So we say, comment allez-vous, madame? Comment allez-vous? It's the polite way to say, how are you? Okay? Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Oui. Oui? Oui. Très bien. Alors, oui. Lana, oui. Est-ce que tu peux me lire ici? On utilise vous. Par politesse. Très bien. On utilise vous par politesse. We use vous to be polite. D'accord? La dernière chose. Est-ce que Cédra, tu peux lire? Cédra? Au revoir. Très bien. Lara? Salut. Très bien. Rokaya? À bientôt. Très bien. Alors, ici, on voit les trois façons de dire au revoir. We see the three words we can say to say goodbye. Au revoir. Salut. À bientôt. D'accord? OK. On a dit, pour dire bonjour, les deux mots. Quels sont les deux mots? Lara? Oui. Pour dire hello, to say hello, quels sont les deux mots? Premier? Salut. Salut. Cédra, le deuxième? Bonjour. Bonjour, très bien. Pour dire comment allez-vous? To say how are you? We saw two. Rokaya? Doucement. Take your time. Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous pour parler à la maîtresse, pour parler au travail? Comment allez-vous? To talk with someone at work, at the school, someone older, okay? Lara? Oui? Comment on dit pour dire how are you? How we can say how are you? Comment ça va? Comment ça va? Très bien, Lara, très bien. Cédra, le dernier? Comment allez-vous? Comment ça va? Et... Regarde ici. Tu vas bien. Alors, on a dit comment ça va, tu vas bien et comment allez-vous? D'accord. Pour to say yes, I'm fine. Comment on peut dire? Cédra? Ça va bien, merci. Très bien, ça va bien, merci. Oui, ça va bien. Lara, comment on peut dire d'autre? Oui. Comment on peut dire comment? Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Donc, ça va bien, merci. Oui, ça va. Et Rokaya, la troisième? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Donc, la troisième, on peut dire oui, ça va très bien. D'accord? Comment on dit
pour dire au revoir. Goodbye. How we say goodbye? Lara, dis-nous la première. Au revoir. Au revoir. Très bien. Rukaya. À bientôt. À bientôt. Très bien. Lana. Est-ce que Lana est là? Je ne sais pas. Alors, c'est salut. Oui, Lana, dis-moi. Salut. Très bien. Donc, alors, on peut dire à bientôt, au revoir et salut. D'accord? À bientôt, au revoir, salut. Salut, ça va? Salut, ça va? Hello, how are you? OK? Pour dire bonjour, to say hello, on peut utiliser, we can use, deux mots, two words. Bonjour, salut. D'accord? Pour dire au revoir, to say goodbye, on utilise trois mots. Au revoir, à bientôt et salut. Pour demander comment ça va, to ask how are you, we can use, on peut utiliser quatre phrases. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va bien? Comment allez-vous? D'accord? Et pour répondre, to answer, oui, ça va. Oui, ça va très bien. And we can say also, oui, ça va bien. Ça va bien. D'accord? Très bien. Alors, on va ouvrir le livre. On va ouvrir le livre. We're gonna open the book pour faire les exercices. Salut, ça va? On va faire. Écoute les dialogues et écris le bon numéro. We are gonna listen the conversation and put the right answer, the right number. D'accord? D'accord. 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 Alors. Non, non. Salut. Ça va? Activité 1. Écoute les dialogues et écris le bon numéro. 1. Bonjour. Salut. 2. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. 3. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Donc, est-ce que vous savez quel est le numéro qu'on dit en premier? Which number we say in the first to say hello? Bonjour, salut. Très bien, le premier. One. D'accord? Le deuxième. Salut. Comment on dit pour dire comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Merci. Ça va bien? Merci. Numéro 2. Numéro 3, pour dire goodbye. I know what means goodbye. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. D'accord? Numéro 3. D'accord. D'accord. Très bien. On continue. Lis les deux messages. Lis les deux messages. We are gonna read the two messages. D'accord? Entoure en bleu, bonjour. Les mots pour dire bonjour. Blue, and we are gonna put in blue the word to, that say hello. OK? In green, en vert, les mots pour dire au revoir. Au revoir. En rouge, les mots pour demander comment ça va. So, we are gonna take the blue to say, to put the word that say hello, the in green to say goodbye, and in red to say how are you, okay? Okay. Lara, est-ce que tu peux lire la première? Salut. Salut, Raphaël. 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 D'accord. Cédra, la deuxième phrase. Je vais,
joyeux, joyeux anniversaire. Anniversaire. Happy birthday. So, ici dans cette lettre, in this letter, on peut voir qu'on parle à une personne. We can see that we are talking to a person named Raphael and c'est son anniversaire. It's his birthday. OK? Salut Raphaël, joyeux anniversaire. Rokaya, tu peux lire cette phrase? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Lana, est-ce que tu peux lire cette phrase? Et toi, comment ça va? Très, très bien. Cédra? Oui. Tu peux lire ici? À bientôt. À bientôt. À bientôt. Jonathan, très bien. Alors, salut Raphaël, joyeux anniversaire. Je vais bien. Et toi, comment ça va? À bientôt, Jonathan. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le mot pour dire bonjour? Which word to say hello in this letter? Lara. Salut. Salut. Très bien, Lara. Rokaya. It wasn't me, it was Cédra. Salut. Cédra, it wasn't me. Cédra, c'est toi qui as dit salut? It's you, it's say salut? Yeah. Very good, Cédra. OK, Lara. Deuxième. How to say I am fine? How to say I am fine? Dans cette lettre, in this letter. Ça va bien, merci. Non, dans cette lettre, in this letter. Which word to say I am fine? Je peux bien. À bientôt? Non, à bientôt, non. Rokaya? Je vais bien. Je vais bien, très bien. Je vais bien, d'accord. Lara, quel est le mot qui dit comment ça va? Which word to say we are, yes. Which sentence in this letter says how are you? Ici, ici. Et toi, comment ça va? Ça va. Et toi, comment ça va? D'accord. Quel est le mot pour dire au revoir? Which word to say goodbye, Cédra? À bientôt. À bientôt. À bientôt. D'accord. Très bien. Lana, est-ce que tu peux lire, Lana? Est-ce que tu peux lire? Coco, Lucy. Vas-y, Lana. Lana, continue. Tu vas bien? Moi, ça va. Bisous. Au revoir. Sacha. Sacha, très bien. Coucou, Lucie, tu vas bien? Moi, ça va. Bisous, au revoir, Sacha. Quel est le mot qui dit bonjour? Rokaya, quel est le mot qui dit bonjour? Which word say hello? Ici. Coucou. D'accord? Coucou. Donc, coucou, c'est pour dire bonjour. Coucou, it's another way to say hello. D'accord? Coucou. Quel est le mot qui dit comment ça va? Lara,
Tu vas bien. Bien, très bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Très bien. Quel est le mot, Cédra, qui dit? Oui. Quel est le mot pour dire goodbye? Quel est le mot? Au revoir. Voilà, très bien. Au revoir. D'accord? Très, très bien. Alors, on va faire ce jeu. We are gonna play this game together. D'accord? Alors, ce jeu, on va utiliser, we are gonna use un dé. Un dé, it's a dice, okay? So I don't have a dice, but I'm gonna put the number on my phone, okay? And I'm gonna show you. D'accord? Which one of you will take a number and will answer to the question in the circle? Et vous allez répondre à la question posée dans le cercle. D'accord? D'accord. D'accord. On va commencer. Lara, tu es la première. You're gonna begin, okay? Do you see the dice, everyone? Yes. Yes? No, I cannot see it. Okay, I'm gonna put it like that. Do you see it like that? I see a square on it. Yes, I see it. I see the dice. Okay, we are gonna begin. Lara, the first one. So we are gonna do like that. Lara, you take four. Number four. So, okay. Lara, demande l'âge à quelqu'un. Demande l'âge à quelqu'un. Ask to Rukaya, how old is she? How old are you, Rukaya? No, in français. Okay. Yes. Allez, Lara, en français. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Très bien. Rukaya, tu peux répondre? J'ai 8 ans. Répondre? Answer? J'ai 8 ans. Très bien. 8 ans. Très bien. Rukaya, tu es la deuxième. D'accord? Tu es la deuxième. On va faire le dé. 3. Rukaya, tu as pris le numéro 3. D'accord? 1, 2, 3. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rukaya. Très bien, Rukaya. Lana, c'est ton tour. D'accord? On va prendre le téléphone. On fait Rukaya. Lana aussi, c'est numéro 3, comme Rukaya. Comment tu t'appelles? Dis-moi, Lana. Je m'appelle Lana. Très bien. Cédra, c'est ton tour. Oui. Numéro 5. Five. Okay. Quel est ton pays, Cédra? Pays, Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Très bien, Cédra. Très bien. Lara, à ton tour. Oui. D'accord? Oui, oui, oui. Numéro 3, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lara. Très bien, tu étais d'accord, très bien. On va faire avec 2 pour avoir plus de numéros, d'accord? 2. Rukaya, 7. 7. Comment ça va, Rukaya? Comment ça va? Ça va bien. Très bien, bravo. Lana? 9. 9. Demande son prénom à quelqu'un. Demande son prénom à quelqu'un. Ask to Cédra, what's her name? Okay. En français. Comment tu t'appelles? Très bien. Je m'appelle Cédra. Très, très bien. Bravo. D'accord. On va faire... Lara, numéro 7. Comment ça va, Lara? Tu l'as déjà fait? Did it already, this number? Yes. Comment ça va?
Okay. We are... No, I didn't do. Okay. Donc, comment ça va, Lara? Ça va bien, merci. Très bien. D'accord. Lara, tu vas me faire le numéro 25. Lis-le. Il a... C'est écrit. C'est écrit. Regarde. Noir. Non, il a les yeux. C'est quoi cette couleur? What is this color? Oh, bleu, bleu. Bleu. Il a les yeux bleus. Rokaya, dis-moi. Il a... Il a... I didn't... You don't see? Il a les cheveux... Il a les... Les cheveux. Quelle est la couleur des cheveux? Oh. La couleur des cheveux. What is this hair color? Do you remember? Do you remember the hair color? This hair color. Très bien. Il a les cheveux roux. Très bien. Cédra. Oui. Alors, on va faire celui-là. Elle a les cheveux. Marron, très bien, très bien. Lana. Lana? Oui. Oui, très bien. Est-ce que tu peux lire ici? Elle a les yeux. Elle a les yeux. Quelle est la couleur de ses yeux? What is her eye color? La couleur. Noir. Noir. Elle a les yeux noirs. Très bien. Lara. Oui. Il est quoi? Il est petit ou il est grand? Grand, il est grand. Bravo. Rokaya, elle est petite ou grande? Petite. Très bien, très très bien. Cédra. Oui. Dis-moi. Écris la couleur. Quelle est cette couleur? What is this color? Jaune. Cette couleur, c'est de jaune. Très bien. Rokaya, quelle est la couleur? Quelle est la couleur? Rouge. D'accord. Lara, quelle est cette couleur? Bleu. Bleu. Très, très bien. Très bien. Quelle est cette couleur, Lana? Oui. Quelle est cette couleur? Vert. Vert. Très bien. Rokaya, est-ce que tu peux répondre? Can you answer à cette question? Mon pays, c'est... Mon pays... Et c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Bravo. Bravo, Rokaya. Alors, on va relire le cours. We are going to read the course a last time, une dernière fois. And for the next time, we're going to do the homework. OK? Et je vais vous écrire les devoirs. Alors. Rokaya. Est-ce que tu peux me dire pour dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Et? Salut. Et salut. Très bien. Pour dire bonjour, to say hello, we can use two words. Bonjour et salut. Salut. Très bien. Lara, pour dire au revoir, to say goodbye, qu'est-ce qu'on peut dire? Which word? Au revoir. Oui. Ensuite, à bientôt. À bientôt et salut. Salut, très bien. Cédra, dis-moi, pour le numéro 3, pour demander comment ça va, how to ask how are you, est-ce que tu peux me dire how are you? Hein, comment? Comment ça va? Tu vas bien. Tu vas bien.
Ça va bien. Très bien. Comment allez? Allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Rokaya, to answer, pour répondre. Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. Très bien. Très bien. Oui, ça va bien. Très, très bien. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, des... Do you have questions? No. Non? Yes. Non. Oui. Dis-moi, Cédric. We finish or no? Oui, on a fini. On a fini. I'm gonna put the homework, okay? So, the first homework will be this exercise. Le premier devoir, c'est cet exercice. Cite la couleur des cercles suivants. You're gonna write the name of this color. D'accord? We're gonna do this exercise, okay? Et toi, tu as les yeux de quelle couleur et les cheveux? You're gonna write, vous allez écrire quelle est la couleur de tes cheveux et quelle est la couleur de vos yeux. What is the color of your hair and what is the color of your eyes? OK? OK. Très bien. Ça, c'est le premier exercice. Miss, I have a question. How we say OK with French? D'accord. D'accord. Okay. D'accord. D'accord. Alors, on va faire numéro 4, page 14. Numéro 4, page 14. Tu vois ton copain dans la rue. Qu'est-ce que tu lui dis? Joue la scène avec lui. You're gonna write, okay? You're gonna write, if you see a friend in the street, what you're gonna say? Bonjour, comment ça va? D'accord? D'accord. Lara. Et la dernière chose, et vous allez me faire, and you're gonna do le même exercice. You're gonna do the same exercise we did together. Okay. With the blue, you will put a circle around the word that say hello. In green, you're gonna put a circle around the word that say goodbye. And in red, you're gonna put a circle around the word that say how are you. Okay, in these two texts. D'accord? D'accord. Très, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question for today? Non. Non. Non? Très bien. Alors, passez une bonne journée. On a fini. We finished. D'accord? On va y aller. D'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rokaya. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lara. Au revoir. Au revoir.